Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour les nouvelles et les nouveaux. Je m'appelle Fallon Castile, Diva Fazé Queen. Bienvenue dans l'épisode 4. Aujourd'hui, on va parler des savons, 3 savons à éviter, plus les vêtements à éviter. 3 savons à éviter, plus les sous-vêtements à éviter. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner. C'est en bas dans le bouton rouge, appuyez aussi sur la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Moi je n'étais rien. 3 savons à éviter. Quels sont ces 3 savons? Premièrement, c'est le savon marseillais. Je ne sais pas si vous connaissez ce savon là. C'est un savon blanc, il y a aussi bleu, je crois, dont le pH est très alcalin, qui a un effet décapant sur les muqueuses. Donc il faut éviter ce savon. Deuxième savon à éviter, c'est les savons antiseptiques. Antiseptique, c'est quoi si vous ne connaissez pas? C'est un produit désinfectant qui permet de détruire ou d'empêcher des bactéries. Donc quand vous utilisez ce savon, vous risquez de détruire les bonnes bactéries, parce qu'il faut savoir, dans le vagin il y a aussi des bonnes bactéries. Troisième savon à éviter, c'est les gels douche trop parfumés, qui risquent d'agresser la flore. Les vêtements à éviter. Quels sont ces vêtements à éviter? Les pantalons, oui les filles, les pantalons trop serrés sont déconseillés, et aussi les collants, parce que ces genres de vêtements favorisent la transpiration, ce qui augmente la prolifération des bactéries. Donc évitez ces vêtements, les pantalons trop serrés, les collants trop serrés, et aussi les culottes trop serrées. Et moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, like et partager la vidéo.